Je suis Anaïs Roger, je suis éleveuse depuis 2012. Mon bâtiment a été fini de construire en décembre 2011. J'en suis à mon deuxième lot, je vais avoir mon troisième lot de poules pondeuses. Mon activité justement, c'est de la poule pondeuse plein air. J'ai 13 500 poules sur un parcours d'environ 5 hectares 4. Avant de m'installer, moi j'ai travaillé déjà chez d'autres agriculteurs, notamment en poule pondeuse. Et ces éleveurs-là, en fait, travaillaient déjà avec les produits Biodévas. Donc moi je connais les produits Biodévas via mon ancienne situation professionnelle. C'est vrai que Biodévas offrait une alternative sur des produits, enfin différentes des produits allopathiques. J'ai pas pris entièrement la gamme, mais j'ai travaillé avec une partie de la gamme Biodévas. La deuxième année, je suis partie avec Biodévas sur l'Epadim et le Volarum, parce que moi j'ai eu sur mon premier lot un problème de colibacille en fait. Et du coup, sur le lot que j'ai eu, j'ai pas eu un seul problème par rapport à ça. La plante, dans sa globalité, il y a des choses, on ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne. Donc moi, c'est quelque chose qui me convient par rapport à un traitement basique. Moi, j'ai une formation qui est, je viens de la forêt, et donc du coup, j'ai pas du tout la même vision du monde agricole qu'un fils d'agriculteur. Moi, j'ai une vision qui est à long terme en fait. Parce que dans la forêt, ben, voilà, on travaille au minimum sur 30 ans, ça c'est le minimum, bien souvent c'est sur 120 ans, 210 ans. Et du coup, on sait qu'il faut laisser le temps au temps et que les choses, elles prennent un temps pour se faire. Dans les années à venir, ça va être ça. Ça va être de plus en plus des traitements par les plantes et de moins en moins de médicaments, de molécules de synthèse en fait. On a quand même des animaux qui sont qui sont en meilleur état sur plus longtemps. Oui. Oui, ça souffre moins. Aujourd'hui, je pense que de toute façon, les jeunes générations, elles sont de plus en plus sensibles à ça, sans forcément se tourner vers le bio, se diriger vers une agriculture plus douce, plus modérée, moins agressive, qui va plus tenir compte des impacts environnementaux et qui va plus tenir compte bah, des animaux en règle générale. Ben ouais, ça c'est... Ouais. On s'est soigné par les plantes longtemps, il n'y a pas de raison que, que ça ne le fasse pas, donc voilà. Non, ça fonctionne bien. Ah ouais, c'est une très bonne conclusion. Je suis en train de me torturer l'esprit, mais j'aime bien ça.